Phénix s'approcha de la falaise, tout comme Ulysse avant elle. Ulysse, lui, à l'époque, avait déployé ses ailes qu'il s'était procurées chez Circé 2000, outillage et matériaux. Tu sais qu'Ulysse est allé voir Circé après Polyphème, mais je t'en prie, continue. Phénix n'avait pas cette chance. Sans elle, elle ne devait croire qu'en son cœur. Phénix s'élança dans les airs et soudain, un miracle! Les ailes d'Ulysse apparurent sur son dos. Par les dieux, je vole! Je vole! Elles n'appartiennent pas du tout à Ulysse et elle les a toujours eues sur le dos. Prométhée, elle ne devait croire qu'en son cœur. Phénix avait hâte de mettre la main sur le secret des dieux.
Elle régnerait alors sur l'Olympe. Tu sais qu'elle essaie de tous vous sauver. Ah oui? Pourquoi elle ferait ça? Peut-être parce que nous avons offert le feu aux mortels. Voilà! Et c'est pour ça que je t'ai enchaîné à un rocher. Pour toujours. En effet, oui. Pourquoi essaie-t-elle de te sauver? Exactement. Circé et Poséidon n'abandonneraient jamais avant l'échec de la mortelle. Tu vois, Phénix connaissait la vérité. Ulysse était un espion envoyé par les mortels afin de voler le secret des dieux que gardait le Cyclope. Polyphème. À tes souhaits. J'en ai un si tu veux. Tu peux toujours rêver. Quoi qu'il en soit, Circé et Poséidon n'allaient pas laisser Phénix s'emparer de ce secret.
Salut, joli petit. Passe, c'est un Minotaure. Quoi ? Oh ben non, c'est Cerbère. Ce n'est pas Hadès qui le garde le week-end ? J'ai dit Cerbère ? Je voulais dire Griffon. Et pourquoi pas les moutons sous lesquels Ulysse s'est caché pour échapper à Polyphème ? Non, c'est un lion. Pourquoi pas un troupeau de coqs aussi ? Ah, pas mal ça ! Tu n'es pas sérieux ? Le coq de la mer. Ce n'est pas du thon, ça? Invoqué par Poséidon pour chanter une tempête. Presque récupérer le chant des sirènes. Lui seul dissiperait la malédiction de Circé. Le seul moyen d'y arriver, c'est avec des herbes. Bon, je te le dis en copain, il faut penser à se calmer sur les herbes. Hein. Tu deviens parano à force. Bref, Phénix sentit les mains invisibles de tous ses ancêtres lui donner la force de déplacer des montagnes. Ce n'est pas la force de ses ancêtres. Elle porte les brassards d'Héraclès. Prométhée, ce n'est pas un objet magique qui permet de soulever des choses. C'est l'amour. Thank you.
Marchant sur les traces d'Ulysse, Phénix était prête à briser la malédiction et à découvrir le secret, au péril de sa vie. C'est une quête annexe. On ne meurt jamais pendant une quête annexe. Jusqu'à présent. Huh.